Bonjour, bienvenue à Odaiba, l'île artificielle créée par les mains de l'homme et de la femme aussi. Ici, on retrouve principalement quatre grands centres commerciaux. Alors, débutons! Donc, on va commencer par le premier qui va être le Dex. Ouais, je me suis pris un peu trop tôt. Le magasin ouvre à 11h, mais bon. Je suis présentement sur la beach en train de chiller un peu. Et vous pouvez voir aussi le Rainbow Bridge au loin. Quand même une pas pire vue. Un peu venteux, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le même sur les plages, hein? Donc, au Dex, vous pouvez retrouver entre autres le Joy Police, qui est un centre d'amusement. Le Madame Tussaud pour voir des personnages en cire. Mais elle, c'est vrai. Et puis le Legoland pour voir des Legos. On a ici le Laos, qui a l'air d'un magasin vraiment pas pire. Alors, allons voir. Oh, ben, c'est pas trop pire. Dans le fond, ici, ils vendent un peu de tout. Donc, ils vendent des jouets, des tailleurs qui coûtent une fortune, des baguettes, des t-shirts. Il y a même un petit kiosque de souvenirs. Ici, on a beaucoup de choix de souliers avec du Vanilla Ice en background. Pas pire. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas du choix qui vous manque ici. Vous avez même Marilyn Monroe qui me demande de me mettre à genoux. D'accord, madame. Et même vous avez ici une autruche dans un centre commercial. What the hell? Sérieux, j'ai mis 100 yens là-dedans. Je comprends absolument rien à part voir des billes tomber. Oh yeah! Nous sommes présentement au musée du Takoyaki, alors que le festin commence. Oh oui, des bons takoyaki avec une pas pire vue. Ouh. On va commencer par goûter le takoyaki avec l'œuf sur le dessus. Mmh. Oh, c'est vraiment chaud. Non, bon. La croûte est vraiment bonne. Avec la petite sauce de takoyaki là. Mmh. Et maintenant, le takoyaki avec de l'échalote sur le dessus. Mmh. Oh. Oh. Mmh. C'est vraiment chaud. Aussi vraiment bon. Mm. Vous avez ici Gandalf le Go. On s'approche du deuxième centre qui est Aqua City. Ça c'est malade parce que tu fais juste survoter sur le dessus puis c'est tactile. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle aime manger. J'ai d'autres choses qui sont ajoutées que je peux vous donner. Ah oui, bébé. Ça a l'air pas pire, ça, parce qu'il y a ça qui m'a tiré l'œil. Godzilla. Donc, dans ce magasin-là, vous avez plein de petits goodies de Godzilla. Donc, vous avez des porte-clés, des crayons, des carnets, des tasses. Pas mal tout axé sur Godzilla. Vous avez même Godzilla ici qui. Mais ce mastic, je crois. Les petits goodies du bonhomme ramen. Lol. Vous avez les Jeux Olympiques de Tokyo qui arrivent à grands pas. Donc vous avez les deux mascottes, le gars et la fille, qui ne sont quand même pas donnés. 130 000 yens. Si votre budget est trop serré, vous avez des plus petits toutous. Sinon, vous avez aussi d'autres choses. Les Jeux Olympiques. Assez diversifiés. Vous avez même des petits pins ici. Casquettes, t-shirts. Je pense qu'ils sont déjà prêts. Il y a même des cravates. Nice, un magasin de jump. Vous avez même beaucoup à l'entrée pour vous accueillir ou vous expulser. Moi, je suis juste fan de Naruto, puis il n'y a pas grand chose là, à part ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez au Japon? C'est plus Dragon Ball ou. Affaire de basket là, je sais pas c'est quoi. Vous avez un magasin de samouraïs, vous avez des figurines, des portraits, des armures en arrière, des petits cossins pour display. Vous avez même des armures pour des chats, des bouteilles de vin.
Pas pire, pas pire. Si vous voulez prendre un petit break Coca-Cola, vous avez des places assises avec deux machines distributrices. Donc vous avez du choix. Vous voulez voir Diane Taille? Oh non! Mon point est faible. Salut! Non, trop cute, les petits pitous. Ouf! Je viens de lâcher un pet, là, ça pue tellement à merde. Attends, je t'ai des bosses. Et voilà. Ah, une petite touche de New York à Tokyo. Ouais, mais en tout cas, c'est beau ici. C'est paisible. J'en profite pour recevoir du vent de fraîcheur dans la face. Wow! Un gros joint en or. En route vers le Diver City, mais il y a un garde du corps qui bloque l'entrée. Oui. Je pense que c'est un Transformers, mais je suis pas sûr. Ben non, c'est un gun. Damn! Wow, wow, wow! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va décoller pour aller sauver la planète? Ah! Ah! Juste ça? Wow! Bon, on peut voir au Diver City que c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne. On peut retrouver des magasins qu'on a à Québec, donc le H&M, Pandora, American Eagle. Oh, il est trop beau ce vêtement de Novak, mais en checkant le prix, ça fait mal. Moi, je vais l'essayer. Oh man, il est vraiment trop beau. Et aussi vraiment trop cher, alors rip. What the hell? Les œufs qui tournent avec une petite voix kawaii. Ah, mangeons un peu et allons dépenser une fortune au round. Yeah! Où c'est que je vais perdre tout mon cash? Oh mon dieu! Shit, il y en a des UFO ici. Pour devenir un conducteur de métro, je crois. Calique de tête d'œuf. Je vais tenter de créer une avalanche. What the fuck, man? Si j'ai pas lui, je bats trip. What the fuck? On dirait qu'ils sont tous attachés. Oh, oh, ah, fuck off. Je veux l'os de poulet. Fuck, j'ai manqué mon... Os de poulet. Oh. Ah ouais, gros dildo. Viens t'en voir, papa. Oh, 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 c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Oh, 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 yeah! Baby! J'ai un dildo blanc. S'il veut venir, yeah! Dildo blanc! Ah, cool! Oh, un autre tutu! Oh, je suis chanceux aujourd'hui. Donnez-moi le foifier. Fluffy, fluffy, fluffy! Oh, merde! C'est drôle parce qu'il y a même de la bouffe dans les arcades. Manger, 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 manger. Bon, dernière chance pour Winnie the Pooh. Oh, oh, non. Non. Oh, ben, c'était pas si pire. Dans le fond, j'ai mis 2000 yens pour deux toutous. Alors, c'est une bonne moyenne. Je suis pas trop déçu. En plus, j'ai eu le fun avec le stress à savoir si j'ai tout ou non. Bon, maintenant, on va aller voir les belles collections de Gundam. Oh mon dieu! Regardez-moi tous ces Gundam-là! Ça finit plus! Ah, oh ben oui, ça finit. Vous avez ici des Gundam avec leur créateur. Quand même pas pour. Ils sont pas mal originaux. Wow! Vous avez ici un Gundam créé par un chanteur? Eh ben. Vous avez ici le premier Gundam créé en 1980. Pas de couleur. Toujours la même année avec une couleur de plus. Dans la même année, mais cette fois-ci avec deux couleurs. 90. Boum! Plein de couleurs. Vous avez ici l'arbre généalogique des Gundam, je crois. Oh! Ici, vous avez la base de Corée. Donc, des Coréens qui ont fait les Gundam. Ça,
quand même pas pire. Voici une petite maquette de comment ils ont construit le Gundam à l'extérieur du Diver City. Nice. Vraiment nice. Checkez-moi ça. Checkez-moi ça. Wow, checkez-moi ça. Non, regardez-moi ça. Mal à la gorge. Wow, sérieux, c'est des masterpieces. C'est vraiment beau, je pense que j'en ai acheté un. Sérieux, wow. Sérieux, j'en veux un, mais sauf que ça tente pas de le construire avec les milliards de petites pièces qu'ils vous donnent dans la boîte. Alors, dure décision, mais c'est vraiment beau. Checkez-moi ça. Perfect grade, j'espère. J'espère, parce que regardez comment c'est beau. Sérieux. Ça doit être du plastique, mais c'est vraiment des beaux plastiques. Peut-être pas eux, mais genre eux. Check eux en arrière. Shiny. Je vais m'acheter celle-là en espérant pas trop rager en le construisant. J'espère bien. Bon, le dernier, mais pas le moindre, le fort de Vénus. Hein? Je rentre puis on dirait que ça commence par un musée de Toyota. Eh ben, c'est charmeur. C'est quoi ça? Maserati. Ah ouais, la première Maserati. Pas pire, pas pire. On dirait un sous-marin. Oh yeah! Le DeLorean, mais pas modifié pour aller dans le futur. Oh yeah! Arrivé à Venice Fort. Oh mon dieu! Nostalgie de Las Vegas. Il paraît que si tu vas au centre et que tu parles des échos. Ah ouais. Je croyais que c'était un mythe, mais c'est vrai. Bonjour! Bonjour, bonjour! YOLO! Enrichi sur YouTube, abonnez-vous à sa chaîne. Et ouais, c'est cool. Oh wow, sérieux la déco. Ouf. Ça me fait vraiment passer à Las Vegas. Nostalgie. Oh yeah. Bon ben, on est arrivé au bout. Pas de spectacle en vue. Ouh, belle fontaine. Ouais, ben, c'est pas mal tranquille ici. C'est pas mal des boutiques et des restaurants haut de gamme. Alors, on va faire un petit tour, puis on va m'en aller. Oh non! On va encore perdre de l'argent. Pas le choix, on est au Japon, alors YOLO! Bye bye, mon argent. Ah, what the hell? Ah, j'ai vraiment chié ça. Oh non! Ah, mais quelle salope! Oups, j'ai mis 100 yens, mais la pince est même pas assez grande pour prendre un toutou. Hey, merde! Ah, fuck off! Oh yeah! Première place, facile, sans souci. Malheureusement, je peux pas aller plus que 150. Oh yeah! Finalement, être YOLO, ça ne rapporte pas beaucoup, hein? J'ai perdu 1000 yens. Mais bon, tant pis. J'ai eu un peu de fun avec les arcades puis ben, les machines à toutou. Ben, c'est la crosse. Ah. Bon, ben, c'est ce qu'on fait de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, donnez-moi un like. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes autres vidéos du Japon. On se dit à la prochaine. Restez chaud. Salut. Ok, c'est bon. Salut, bye.